Pendant des siècles, les tribus maoris de Nouvelle-Zélande se sont fait la guerre dans cette région. Aujourd'hui, je vais retrouver un expert en arts martiaux maori. Greg Delany est un maître de Morako. Cet art martial unique aux Maori est un savant mélange de coups rapides, précis et puissants. Il me fait l'honneur de me proposer un wiro, le défi que les Maoris ont pour coutume de lancer aux visiteurs. Une offrande symbolique est déposée à mes pieds. Deux options s'offrent à moi, la ramasser ou me battre. Je ne suis pas très à l'aise. Ce n'est pas dans ma nature de me battre avec une arme. Mais je me dois de relever ce challenge. Les éclaireurs maoris devaient absolument être capables de se défendre en cas d'attaque. Comme eux, je vais devoir apprendre à me battre, et en vitesse. Tu m'as fait peur. Bienvenue, Phil. Merci. Bien joué. Crois-moi, je viens en paix, Greg. Tant mieux. Surtout après ce que je viens de voir. Ça me fait plaisir d'être ici. T'es le bienvenu. Merci. Greg me forme au combat rapproché. Cet entraînement est indispensable à tout éclaireur. Je n'avais jamais appris à manier d'armes. C'est ma première fois. Ce bâton de combat traditionnel est appelé Taiaha. Sculpté dans du bois dur, cette arme est conçue pour être mortelle d'un bout à l'autre. Tu avances et tu attaques au niveau du cou. Ensuite, tu frappes au visage. Une fois l'ennemi à terre, tu lui donnes un coup sec dans le ventre. Puis, tu dégages les alentours par respect pour ta victime. Je ne suis pas quelqu'un de violent, mais ça faisait partie de leur mode de vie. C'est très intéressant. Tu le bloques à terre. Greg est bien décidé à m'en faire baver. Je ne vois pas la matinée passer. J'ai tellement de choses à apprendre que je finis par m'y perdre. Ça va? Bloc, attaque. Désolé. C'est rien. Ah, je l'ai senti passer. C'est pour que ça rentre. Merci, tu m'as beaucoup appris. Comme tu t'apprêtes à partir à l'aventure dans la nature, j'ai décidé de te confier mon Taiaha. Il te tiendra compagnie et tu pourras t'entraîner avec. On ne m'avait jamais fait un tel cadeau. Merci. Prends-en soin. Promis. Fais comme s'il faisait partie de ta famille. Entendu. Tant que tu es seul à Golden Bay, c'est lui ta famille. Je veux pas te décevoir.